Alors, vous faites ce qui est donc, je vais vous poser la première question. Qu'est-ce que vos parents, vous qui êtes les plus jeunes que les entrepreneurs ici, qu'est-ce que vos parents vous ont dit du temps en temps, du commerce alimentaire à l'époque? Les années 60 m'ont marqué, parce qu'en fin de compte, sur une ville comme l'Europe, il y avait énormément d'habitats insalubres. Nous habitions, mon grand-mère a habité à côté du petit marché, et puis mes parents habitaient, je dirais, à quelques kilomètres du magasin, et je me souviens qu'à l'époque, on était des pas de route encore asphaltée. Moi, ça commençait et c'était, on vivait dans des conditions vraiment très, très modestes. Et comme toute la population, du reste, j'ai grandi avec une dame, je me souviens toujours du moins, ça s'appelait Madame Gibraltar, foncière, qui m'a accueilli quand mes parents travaillaient. Et on était vraiment dans des conditions très précaires, tous ensemble. Et c'est ça qui a fait cette dimension, qui a créé cette dimension. Du bien vivre ensemble, puisqu'en fin de compte, il n'y avait pas de distinction entre les différentes familles, quelles que soient leurs origines. Et je me souviens qu'à l'époque, il fallait approvisionner la population, il y avait toujours cette dimension de l'argent carré, hein, du crédit qui était fait, et puis toujours dans la dimension d'approvisionner le produit de base, que ce soit les demi-sel, que ce soit le maïs, que ce soit aussi l'Europe. Et j'ai connu aussi la cuvette à côté de l'épicerie de l'époque. Ça existe toujours dans certains endroits. Monsieur Théoquine, vous êtes parti faire vos études en France, vous êtes revenu, et qu'est-ce qui vous a donné envie donc, de créer, de bâtir, de monter des entreprises? En fin de compte, je dirais que l'apprentissage s'est fait très tôt. Mon père m'a demandé dès l'âge de 10 ans de venir travailler un peu avec lui. Je me souviens que ce soit les dimanches, les vacances ou les jours fériés. Il me demandait de venir l'aider dans son commerce. Bien évidemment, j'étais à l'époque passé qu'à vivre et qu'à passer du bon temps avec les copains et les copines. Et ça, c'est comme les jeunes de la période. D'offres commerciales, et donc il fallait pousser cette
de l'alliance entre les familles Cadier et Bernard Adolphe pour l'euro-marché de Sainte-Clotilde. Donc c'est toute cette époque-là que s'est modernisé le commerce et auquel j'ai contribué, puisque très vite j'ai fondé Dealer Price à la Réunion avec le soutien de la coopérative d'achat cadre qui a lancé les commerçants de l'époque, les petits commerçants de l'époque, et que pourquoi avoir allé sur le segment du discount, du hard discount avec Dealer Price, tout simplement parce que faire un centre commercial, c'était pas reporté en termes de capacité financière. Nous n'avons pas forcément les enseignes, nous n'avons pas forcément les hommes et les compétences. Et donc, il fallait faire les choses graduellement.